Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, écoutez, je suis revenue depuis plusieurs jours maintenant de cette épopée parisienne, voilà, avec le travail, ça s'est bien passé. Toujours des mal de tête à n'en plus finir quand je pars comme ça. Mais sinon dans l'ensemble ça a été, donc je suis plutôt contente. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, il est environ 13h, 13h15 en gros. Et en fait, je vous prends parce que je vous ai longtemps, trop longtemps d'ailleurs, parlé de, vous savez, ce meuble que je voulais tant acheter depuis tant de mois, qui est mon meuble à chaussures. Et ça y est, c'est chose faite. Je suis partie aller le chercher ce matin. Donc voilà, qu'il soit enfin dans mon entrée. Voilà, donc l'homme est en train déjà de le monter. Je vais vous montrer ça vite fait. Et puis ben moi tout simplement je viens de m'apercevoir que mon cher chat, enfin c'est ma fifi surtout, qui a vomi dans la chambre. Voilà, donc je vais passer un petit coup vite fait d'aspirateur et surtout de lavette. Bon allez, c'est parti, je vous emmène dans cette journée avec moi. Je suis ultra fatiguée. Je sais pas ce qui m'arrive. Je me suis fait un cappuccino, il est 15h. Tout est normal. Tout est normal. Mais franchement, si je m'écoutais là les amis, je m'allongerais et je dormirais. Et je me ferais une sieste de dingue. Bon, soit dit en passant. L'homme est dans le salon, il est en train de me monter, je vais vous rapprocher un peu, il est en train de monter justement le meuble à chaussures. Qu'est-ce que je suis trop contente, franchement je suis contente, je vais enfin pouvoir faire du rangement. J'avais déjà un petit peu changé le couloir, etc. Vous savez, j'avais un ancien meuble avec des étagères où j'avais mis tout ce qui était, toutes mes chaussures. Et puis ben, quand ton chat pisse une fois, deux fois, trois fois dedans, tu te dis qu'à un moment donné, il va falloir changer cette organisation. Hein. Je ne vais pas pouvoir rester comme ça très longtemps. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, c'était vraiment m'acheter ce meuble. Donc je suis bien contente. Du coup, le meuble que j'avais où je mettais mes chaussures, je l'ai transféré dans la chambre d'à côté. Et j'avais aussi une grande commode, la commode Malm pour les connaisseurs de chez Ikea. La grande commode Malm à 6 tiroirs, pareil, je l'ai mise derrière. Et hier soir, c'est aussi pour ça que je suis fatiguée, c'est qu'hier soir, jusqu'à 1h du mat, j'ai ouvert mes placards, j'ai ouvert mes tiroirs et j'ai sorti un max de linge. Pour pouvoir trier, faire vraiment un gros tri sur ce que je garde, ce que je garde pas, ce que je donne, ce qui va à la poubelle, parce que forcément il y a des trucs, voilà. Donc j'ai commencé et j'ai fait ça. En fin de compte, ma problématique, c'est que mon organisation, et que dès l'instant où je vais faire un truc, il y a plein d'autres petits trucs que je me dis, ah mais il faut que je fasse ça aussi. C'est-à-dire que quand vous commencez déjà à tout sortir, tout votre linge, de votre armoire, de vos commodes, et que vous vous dites, bon, je vais ranger, donc je reprends toutes mes chaussettes et je vérifie mes paires et je les replie. Forcément, 2 heures après, tu y es encore, entre les slips, les chaussettes, les calbutes, t'as jamais fini. Voilà. Et je suis revenue dans le salon et je vais voir mon mari et je lui dis, bon bah écoute chérie, c'est bon là, je m'arrête. Il me regarde et il fait, non mais heureusement que tu t'arrêtes,
Mais ça fait combien de temps que tu es en train de ranger les slips et tout ce qui s'en suit? Il a regardé l'état de la chambre d'à côté. Il me fait, non, mais c'est une catastrophe. Mais grave, c'est trop une catastrophe. Il y a trop de fringues. Et moi, il y a un problème, c'est que je garde. Alors, j'arrive à me défaire beaucoup plus. Mais sur des objets, je suis très sentimentale. Et du coup, je suis un peu nostalgique quand je les retrouve. Ou je me dis, ah non, je vais pas les jeter. Oh non, style le premier rouge à lèvres de ma mère, un jumet qui date d'il y a 35 ans. Alors je me dis non, allez, je le garde. Même si je vais jamais le mettre, hein, c'est juste pour me dire c'était le premier rouge à lèvres de ma mère. C'était son premier soutien-gorge qu'elle m'a refilé à un loup. Non mais... Bref, du coup je me suis dit bon, je vais me poser un petit peu, je vais boire mon café, j'espère que ça va me donner un peu de motivation. En attendant, j'ai quand même, je me suis occupée de la chambre sage, je voulais filmer une machine à laver que j'ai étendue, que j'ai redétendue. Il me reste 2-3 petits trucs qui sont étendus sur mes portes. Parce que oui, chez nous, les portes, ça sert aussi d'étendoir, hein, qu'on se le dise. Voilà, je pense qu'on est tous un peu pareil, sauf que ça se voit pas habituellement chez les gens qui s'enlèvent tout avant qu'on arrive. Ah oui, bien sûr. Mais on est tous pareils, hein. Les draps on les met où, les serviettes on les met où? Sur les portes. Bref, bon allez, je bois mon super cappuccino qui j'espère va me réveiller un petit peu. Et puis on se retrouvera pas. Ah, puis il faut que je vous montre un petit peu l'état du couloir maintenant, comment ça fait bizarre. Je vous montre ça. Donc voilà le couloir, du coup on n'a plus du tout de meubles ici. Là-bas, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, c'est là où j'avais donc le grand meuble à chaussures, tac, 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 qui faisait vraiment tout le coin. Donc ça, retiré et dans la chambre. Donc voilà. Ici, c'est ce que j'ai acheté, du coup, Ikea. Et en fin de compte, hop, voilà. Et je pense que je vais le mettre ici. Voilà, je vais le mettre là, je pense. Et là, il y aura du coup le meuble en bas. Bon, il faut que j'enlève tout ça là encore. Mais voilà, le meuble ira là. Par contre, c'est abusé. J'ai vu ça hier. Mais quand on voit les joints, mais à quel point ça noircit quoi. Vous vous rendez compte? Là, comment ça fait noir par rapport... Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les joints que vous avez là, qui sont vraiment tout blancs, c'est des joints où effectivement il y avait le meuble, donc il n'y a pas de passage. Ici, c'est ce que j'ai nettoyé et on voit la différence quand même. C'est abusé. Alors, nettoyer. J'ai regardé sur internet et je me suis dit comment nettoyer ces joints, les faire devenir blancs, tu vois. Et en fait, ils préconisent de prendre une brosse à dents, du bicarbonate, du vinaigre blanc et de frotter. Et je me dis, si je dois faire ça sur tous les joints de carrelage de l'appartement, on va mettre des mois, les gars. Ah putain, faut que je pose des RTT ou une semaine de vacances, c'est pas possible. Mission assemblage en cours. Voilà le début du meuble. Alors, chérie, comment ça se passe? Ça se passe que j'ai fini. Il reste plus que les tiroirs en fait à mettre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tac, tac. Bon, ben, on va enfin bientôt pouvoir voir ce que ça va donner dans le couloir.
Pour les emplois qui étaient dedans. Oh oui, oh oui. C'est pour les emplois qui étaient dedans. Il t'aime. Oui, je sais, la meuf, elle est contente de rien. Mais je suis trop contente. Ça y est, il est là. Bon, plus que le miroir à installer. Voilà. L'homme l'a mis là. Bonjour. Mais par contre, la surprise du jour, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de vis. Il vient de tout défaire là, mais il n'y a pas de vis. Donc on est à la recherche de vis et de chevilles. Oh, c'est trop dur la vie. Oh oui. Oh oui, c'est dur. Il y a tout le monde qui travaille et moi, faut que je dorme. Oh là là, il y a trop de lumière. Oh oui, trop dur la vie. Oh oui, c'est dur, c'est dur. T'es fatiguée? T'es fatiguée, ma fifi? Oui. Oh, maman. Maman, laisse-moi tranquille. Je suis sur le t-shirt à popo. Oh, oui. Moi, j'aime bien, je fais dodo. Oh, laissez-moi faire dodo tranquille. Oh, oui. Oh, ma grosse. Oh, oui. Et mon loulou, il est où? T'es où, mon loulou? Oh, moi, ça fait des gros dodos aussi, si. Oh, oui. T'es bien dans les soleils? Oui. T'es bien. T'es au soleil, t'es bien, mon bébé. T'as pas trop chaud? Mon amour. Oh oui, mon amour. Oh oui, mon amour. Oh, ça donne envie de gratter, maman. Je t'aime. Je t'aime. Bon, ben voilà un petit peu, les amis, ce que ça donne avec le miroir. Alors ça, c'est l'étagère que j'avais pris de chez Action. Voilà, hop, hop, hop. Donc là, c'est pour que les chats fassent leurs griffes et qu'ils évitent de faire leurs griffes là. Et là aussi. Et là aussi, j'adore mes animaux. Donc là, pareil, hein, ça vient de chez Action. Les cadres que vous avez là, ils les faisaient en blanc aussi. Et voilà, bon, il va falloir trouver quelque chose pour mettre... voilà, ici j'aimerais bien justement mettre, vous savez, un vase avec des petites pampas, ce qui permettrait de cacher un petit peu là, voilà, un petit cache-misère, hein, voilà. Donc ça serait, oui, un vase, pampa, tac tac, ça pourrait être sympa. Et puis ça éviterait qu'ils refassent leur griffe ici, voilà. Que là, j'ai tous les coins de mur qui sont défoncés. Le caddie est ici parce qu'on va aller faire un petit tour à l'inter. Pommes de terre, enfin voilà, 2-3 petites choses à acheter. Du coup, on va y aller avec l'homme avant que ça ferme parce qu'il est déjà bientôt... Enfin, il est 6h, il est 58, 17h58, bientôt 6h. Donc, on va se manier le cucu et on va y aller. Je vous reprends après. Bon les amis, on revient de course, je vais pas vous faire de retour de course, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté vite fait. En légumes, on a pris des fraises, là j'ai pris du poisson, c'était du merlu, 9,99 le kilo. Et en légumes, j'ai pris, enfin là c'est des fruits, j'ai pris des poires. Parce que j'ai dit à l'amoureux que je lui ferai un petit gâteau aux poires, voilà.
Hop, là on a des courgettes. Il y avait une promo sur les courgettes parce que à 3 euros le kilo, comment vous dire, on n'achète pas. Hein. Je ne sais plus à combien elles étaient exactement. Et là vous avez des carottes. Voilà pour les légumes. Et après on a pris un peu de pain aux céréales. J'ai repris des bananes bio aussi. Lardons, du Saint-Albret, du fromage. On a repris des pommes de terre, du bélé. Et franchement c'est à peu près tout. Et oui, et aussi des croquettes pour les chats, parce qu'il y avait une promo aussi sur les croquettes Ultima, et vu qu'ils adorent ça. Voilà, et puis des fraises. Ah oui, il y a des fraises aussi qu'on a pris. Non mais ça je vous ai montré je crois. Fraises et qu'est-ce que j'ai pris d'autre, crème fraîche, liquide vaisselle. Je regarde en même temps. Beurre, et de la crème, comment on dit ça, du fromage blanc. De la banane. Voilà, non les bananes c'est bon j'ai dit. Voilà un petit peu. Bon du coup je vais m'atteler à ranger tout ça au frais parce qu'il fait une chaleur dehors. J'en suis de la moustache, la meuf qui est... Ah, qu'est-ce qu'il y en a ? La meuf qui est ultra glamour, j'en suis de la moustache. Alors comment ça va aujourd'hui? Ah bah écoute, je suis de la moustache. Bon bref, allez, ça doit être sec. Ah, il est où mon doigt? Ça doit être sec. Elle est où ma main? Non mais c'est difficile de faire ça, Doudou. Tu te rends pas compte, hein, les Miss Météo, c'est des années, hein. Voilà, donc j'ai 2-3 trucs à... Bah, attention, j'ai plus que ça, hein. J'ai plus que ce qui est sur les portes qui doit être sec. Et il faut aussi que je change mon draus. Voilà, faut que je fasse tourner une machine là, mon cœur encore. Bon allez, je m'active. En pyjama. Ça y est, le soleil est en train de se coucher par chez nous. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Bon, on ne dirait rien sur l'état de ma vitre. Du coup, qui dit... Oh là là, faut que je me démaquille. Donc je suis en pyjama, bien entendu, avec des cheveux, voilà, bref. C'est pas bien grave. Tout ça pour vous dire que je suis en train de... Je viens d'essayer de préparer un peu à manger. Enfin, je viens d'essayer, je me comprends. Je me suis fait des poireaux, des carottes que je vais faire cuire. Et avec, je vais me faire des petites pâtes papillonnes. Donc, voilà. Je vais me faire ça, ça à cuire et ça. Bon, pour ce qui est de ça, c'est les chats. Hein. On va éviter d'en mettre à l'intérieur. Et du coup, j'en ai fait quand même pas mal. Comme ça, ça me fera de quoi manger demain midi pour le boulot. Repas du soir, bonsoir. Bon, je vais éteindre la télé. Salut les amis. Enfin, salut. Pour moi, c'est une nouvelle journée, ce qui n'est pas le cas pour vous. Mais pour moi, c'est une nouvelle journée. Comment vous dire que je me suis endormie comme une loque sur mon canapé, tellement que je me suis même pas démaquillée. Voilà. Donc, je prends mes petits cotons réutilisables et l'eau de rose. Ça je les ai achetés sur Amazon et franchement ils sont ultra grands. J'ai pris un lot, c'est des lots de 4, si je me trompe pas j'en ai pris 8, voilà. Et franchement ça démaquille très très bien, ça évite d'acheter du coton. Donc franchement j'en suis très très contente. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, tenez, en parlant des trucs un peu comme ça, la beauté. Mais il y a souvent, alors des fois c'est avril, mais vous avez souvent les mois de la beauté dans les grandes surfaces, style Carrefour, Intermarché, voilà. Et j'ai fait le plein de dingue. Je pense que je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Les achats que j'ai fait, à chaque fois j'en profite un maximum pour faire mon plein en fait, hein, voilà. Il est bientôt 9h30, je suis devant la télé avec
mon deuxième café, je vais monter une vidéo pour essayer de vous la poster lundi. Voilà un petit peu le programme. Je sais pas si je vais réussir à faire le montage avant de partir au boulot. Aujourd'hui je prends 11h30. On a eu des semaines harassantes, mais voilà. Enfin bref, on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.